We invite you to join us in creating a space that invites and challenges us all to operate from a place of courage, curiosity, and bravery. We have live language interpretation available in this session. Look to the bottom right-hand side of your screen. You will see an icon. We invite you to join us and create a space, if you're reading in English, that invites and challenges us click all on it to operate and from select a place the language you would like to curiosity interpretation. So if you'd we like have live in language English, interpretation on English available in this session. Look to the bottom we right also hand have side of your closed screen. Captioning. You will see an icon. Invite you to join us and create a space. Look at the bottom right hand English side that invites and challenges and us. Click on it to operate and select the language you would like to curiosity interpretation. Click on it and you will have so the if you'd like to live language interpretation available to view in the session. The full transcript. Look to the bottom. You can also right change hand the closed captioning. To do this, click on subtitle settings and change to large. If you would like to change your name, click on the participants button at the top of the Zoom window. Hover your mouse over your name in the participants list on the right hand side and click on rename. Enter the name you'd like to appear in the Zoom meeting and click on OK. We invite you to join the Global AWID membership family. And to do this, visit our website, www.awid.org, and click to learn more about why you should become an AWID member. Enjoy the rest of the festival. Bonjour et bienvenue à Créer, Résister, Transform, un festival pour les mouvements féministes. C'est avec joie que nous vous accueillons à cet événement et vous encourageons à nous rejoindre dans les activités du festival qui auront lieu tout au long du mois de septembre. Nous vous invitons à nous rejoindre et à créer un espace qui nous invite à faire preuve de courage, de curiosité et de bravoure. Dans cette activité, nous avons une interprétation simultanée disponible en plusieurs langues. Dans la barre de menu en bas de l'écran, cliquez sur « Interprétation ». Cliquez ensuite sur la langue que vous souhaitez entendre. Pour n'entendre que la langue interprétée, vous pouvez cliquer sur « Muter l'audio original ». Nous avons également des sous-titres disponibles en anglais. Dans la barre de menu en bas de l'écran, cliquez sur « Transcription en direct ». Cliquez ensuite sur « Montrer sous-titres ». Pour lire la transcription complète, vous pouvez cliquer sur « Voir la transcription complète ». Et pour changer la taille du texte, cliquez sur « Paramètres de sous-titres » et choisissez « Large ». Pour changer votre nom après être entré dans une réunion Zoom, cliquez sur le bouton « Participants » en bas de la fenêtre Zoom. Ensuite, faites passer votre souris sur votre nom dans la liste de participants à droite de la fenêtre Zoom, puis cliquez sur « Renommer ». Tapez le nom que vous voulez voir apparaître dans la réunion Zoom et cliquez sur « OK ». Encore merci de votre participation. Nous vous encourageons à partager vos réactions et vos commentaires sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #FeministFestival et taguer l'AWID si vous pouvez. Nous vous invitons aussi à rejoindre la famille mondiale des membres de l'AWID. Pour ce faire, vous pouvez visiter notre site web à l'adresse www.awid.org et cliquer sur « En savoir plus sur pourquoi devenir membre de l'AWID ». Merci et profitez du festival. Bienvenidos al festival Crear, Resistir, Transform. AWID está comprometida con la creación de un espacio virtual que nos invite y desafíe a todos a funcionar desde un lugar de valentía, curiosidad, generosidad y responsabilidad compartida. Les invitamos a crear conjuntamente con nosotros espacios libres de acoso y violencia. Por favor, descarguen y revisen los principios de participación para el festival en awid.org/festival2021. Tenemos disponible interpretación a distintos idiomas en vivo. Esto varía según cada sesión. Para activarla, en su menú de control, seleccionen el icono de Interpretation, elijan el idioma que quieren escuchar. Para escuchar solamente el idioma interpretado, seleccionen Mute Original Audio, silenciar el audio original de forma que solamente escuchen la interpretación en el idioma español, si este es el que desean. También contamos con subtitulado disponible, en inglés únicamente,
pero si lo desean activar, en los controles para la reunión hagan clic en subtitulado en vivo, live transcript. Después hagan clic en show subtitle, en mostrar subtítulos. Para ver el subtitulado completo, hagan clic en view full transcript, ver subtitulado completo. Para cambiar el tamaño del texto, hagan clic sobre Subtitle Settings, ajustes de subtítulos, y cámbienlo a grande, large. Si desean cambiar como aparece su nombre en Zoom, pueden hacerlo también. Para cambiar su nombre, después de entrar a una reunión de Zoom, hagan clic en el botón Participantes, en la parte de arriba de la ventana de Zoom. Después, deslicen el ratón sobre su nombre en la lista de participantes, que está a la derecha de la ventana de Zoom, y hagan clic sobre Renombrar. Escriban el nombre con el que quieren aparecer en la reunión de Zoom y hagan clic sobre OK. Lo más importante, únanse a EWID. Al unirse a EWID se suman un proceso organizativo feminista mundial, un poder colectivo surgido del trabajo entre movimientos y basado en la solidaridad. Ingresen a nuestro sitio web EWID.org, membresía, para escuchar las razones por las cuales deberían ser parte de la membresía de EWID, o escríbanos a membership@awid.org. Gracias y continúen disfrutando el festival Crear, Resistir, Transformar. Welcome, everyone. Welcome to this Sunday session of Crear, Resister, Transform, a festival for feminist movements. I hope you've been enjoying the festival so far. You're in for a treat just now as you join the session Artivism, a Weapon of Feminist Political Resistance in the Haitian Context, where we'll be hearing from three amazing Haitian feminists about art and political resistance. My name is Hakim Abbas, I'm with AWID, and I have the pleasure of opening the session, introducing our speakers, and facilitating the question and answer session. So don't forget to pop your questions into the Q&A as they come to you. First, let me introduce to you our fantastic speakers and the organizers of this session. I will switch to French to read their bios. We have with us Gaëlle Bien-Aimé. Gaëlle est metteur en scène, auteure, comédienne, humoriste et co-fondatrice de l'ACT, École d'art dramatique. Elle est également artiviste et membre de l'organisation féministe Neges Mawan. Nous avons aussi Lucia Pascal Solage, qui a fait des études en finance en Haïti. Elle est aussi détentrice d'un diplôme en genre et développement qu'elle a obtenu en Belgique et un diplôme en éducation en droits humains obtenu au Canada. Elle cofonde l'organisation féministe Neges Mawan en 2015. Elle est ancienne candidate aux élections municipales en Haïti. Elle est aussi une activiste anticorruption dans son pays. En 2019, elle cofonde le collectif de citoyennes et citoyens engagés pour la justice sociale contre la corruption et l'impunité, Noupap Domi, On ne dort pas. Elle travaille dans les médias comme productrice et journaliste depuis 2008. Nous avons aussi Suzanne Joseph, qui est journaliste et experte en genre, féministe et activiste.
Elle est membre fondatrice des organisations 100% femmes et Neges Mahon. Auteure, musicienne, ses travaux sont concentrés sur la culture et l'éducation avec toujours une perspective genre et inclusion. I'm very excited to have these amazing Haitian feminists with us today. And I will hand over, I think, to Pascal, because I'm not yet seeing Gaëlle in the room. Is that right, Pascal? Do we have Gaëlle? Oh, Pascal, I think you're on mute. Hi, everyone. Gaëlle will be with us soon, but now we start with Susan before Gaëlle rejoins us. Perfect. Over to you, Susan. I believe the interpretation into French is still happening. So Susan is still hearing that. And once that's come to a close, she will jump in. Bonjour tout le monde, merci. Bon, comme on a compris qu'elle a un petit problème technique, je vais commencer. Et personnellement, je veux dire combien je suis heureuse et honorée de participer au festival et surtout par rapport au sujet que nous allons discuter aujourd'hui. Et un sujet qui est tellement d'actualité par rapport à la situation que connaît notre pays à nous trois, Pascal, Gaëlle et moi. Nous vivons une crise qui fait que notre avenir est tellement incertain et effectivement, l'activisme est l'une des armes que nous avons jusqu'ici. C'est l'une des armes que nous avons depuis près de 10 ans, depuis la crise, que nous avons pour un petit peu faire le plaidoyer pour sensibiliser la population. Et je suis vraiment honorée que ce soit moi qui commence. Alors, pour commencer cette présentation, quand nous avons discuté, l'idée, c'était que de présenter des artistes femmes, militantes, activistes, qui ont mis leur art au service de leurs convictions, au service des droits humains, au service des droits de la femme, au service des droits civiques, des droits politiques. Et le choix que nous avons fait pour ma part, dans ma présentation, est d'aller vers les années en 1934, sous le régime de Paul Magloire, où on a eu des figures de femmes qui ont commencé par utiliser leur art pour vraiment se mettre au service de ces droits pour la liberté d'expression. Et à partir de ce régime de Paul Magloire, on va regarder un peu ce qui s'est passé sous le régime duvaliériste et aujourd'hui encore ce qui se passe dans notre pays. Alors, au départ, je voudrais aussi définir qu'il est difficile de trouver de la documentation qui relate de ces femmes qui se sont données, qui ont donné leur cœur pour soit pour les droits civiques et politiques, soit pour défendre les droits des femmes ou de dénoncer la condition féminine en Haïti. Et ces femmes, bien qu'il y ait peu de documentation, ont toujours été au cœur des batailles pour les droits civiques et politiques, pour les droits des femmes, pour les droits des femmes, pour la condition féminine. Pourtant, on a retrouvé ces femmes partout,
dans les combats. Bien que les documentations encore sont assez restreintes, ne parlent pas beaucoup de leur engagement, ne parlent pas beaucoup de leur sacrifice. Par contre, si vous regardez dans les années 1932, vers la fin 1934, comme j'ai pris comme référence sous le régime de Paul Magloire, on a commencé par avoir des figures de femmes qui se sont manifestées et qui ont levé leur voix pour défendre, premièrement, la liberté d'expression, deuxièmement, pour le respect des droits civiques. Et le premier personnage que je voudrais présenter, s'il vous plaît, next slide. Le premier personnage que je voudrais présenter, c'est la chanteuse, la compositrice, dramaturge, actrice, écrivaine, qui est extrêmement connue partout dans le monde, qu'est Martha Jean-Claude. Next slide, s'il vous plaît. Martha Jean-Claude, Yes, exactly. Martha Jean-Claude, elle inspire encore aujourd'hui les femmes en Haïti par le choix qu'elle a fait. Et Martha Jean-Claude, elle a commencé par chanter. Premièrement, elle a commencé par présenter par adopter les chansons folklore. Où Martha Jean-Claude, le folklore en Haïti, c'est pas quelque chose que les gens chantaient vraiment. Et quand Martha Jean-Claude a commencé par chanter, et elle a choisi de chanter le folklore Haïti, c'était déjà une première. Et très, très tôt, Martha Jean-Claude a commencé par émettre la voix et à critiquer le gouvernement de Paul Magloire parce que, justement, il y avait des violations sur les droits civiques, des violations sur la liberté d'expression, des violations sur les droits politiques. Et quand Martha Jean-Claude a commencé par émettre la voix, très vite, elle a été arrêtée et mise en prison. Quand elle a été arrêtée pour la première fois, Martha Jean-Claude s'est vue libérée peu de temps après. Certaines personnes disent 10 jours, d'autres disent 15. Mais elle a été libérée parce qu'au moment de son arrestation, Martha Jean-Claude était enceinte de son premier enfant. Donc, Martha Jean-Claude, ça a été la première pour une série d'arrestations qui viendra plus tard. Martha Jean-Claude n'a pas arrêté pour autant. Elle s'est engagée à dénoncer à chaque fois, à participer aux réunions politiques, à dénoncer non seulement de ses chansons, mais critiquer ouvertement lors de ses présentations musicales ce qui se faisait. Donc, comme j'ai dit, c'est parti du régime de Paul Magloire. Et ensuite, on a eu, sous le régime de Duvalier, ça s'est corsé un peu plus. Et Martha Jean-Claude a dû quitter le pays. Et Martha Jean-Claude, même quand elle se battait, Martha Jean-Claude quand même a marqué son temps. En 1952, Martha Jean-Claude a publié sa pièce Henriette. C'est la première pièce d'ailleurs qui lui a valu son arrestation sous le régime de Paul Magloire. En 1957, Martha Jean-Claude a joué dans un film Yaman au Cuba. D'ailleurs, c'est là que Martha Jean-Claude a été en exil. Martha Jean-Claude, en 1974, elle a joué aussi dans le film Simone, dans le film cubain. En 1957, elle a sorti l'album Canciones de Haïti. Elle était à Cuba. Et elle a sorti bien d'autres albums après. En 1976, elle a sorti l'album Agoué. C'est un album qui a beaucoup fait parler d'elle dans la mesure où elle a utilisé la musique folklore haïtienne pour critiquer justement le régime duvalieriste. Et Martha Jean-Claude, en 1995, elle a sorti l'album Moi, c'est femme des pays en créole, Soy mujer de dos islas, en espagnol, parce qu'elle a vécu à Cuba pendant tout ce temps. Mais cet album a particulièrement fait parler de Martha Jean-Claude parce que Martha Jean-Claude, elle a pris la parole au Mexique pour dénoncer ce qui se passait en Angola. Quand Martha Jean-Claude est arrivée en Haïti, elle a pris la parole pour appeler les Haïtiens à prendre position pour le couple Mandela en Afrique du Sud parce qu'elle continuait à dénoncer les violations des droits civiques et politiques. Elle continuait aussi à s'engager aux côtés
des victimes, si on va dire des pays victimes de régimes autoritaires. Next slide, s'il vous plaît. Le deuxième personnage que je vais parler d'elle, c'est Marie-Vieux Chauvet, qui est une romancière, poète et dramaturge haïtienne. Marie-Vieux Chauvet a une histoire assez particulière parce que Marie-Vieux Chauvet, sa lutte dans ses œuvres, elle dénonce les abus de tout genre dont sont victimes les femmes, les catégories qui suivent des inégalités sociales et économiques. Donc, très tôt, Marie-Vieux Chauvet s'est positionnée pour les femmes, qu'on va dire, de catégories sociales mineures, les assistantes ménagères. D'ailleurs, un de ses livres met l'accent particulièrement, le personnage principal met l'accent particulièrement sur ce type de femme. Tous ses livres, La danse sur le volcan, Fille d'Haïti, Fond des nègres, les romans qu'elle a sortis, Les rapaces, Amour, colère, folie, l'un des succès majeurs de Marie-Vieux Chauvet, et c'est la dénonciation du régime du duvalieriste. Et dans ses pièces de théâtre aussi, La légende des fleurs, on a mis plus tard en théâtre Amour, colère et folie, et aussi Samba, tout dénonce particulièrement la condition féminine et dénonce les conditions de vie de ces catégories sociales en Haïti qui étaient méprisées. Next, s'il vous plaît. L'autre personnage, mais vraiment qui est aussi connu que pour, on va dire, pour la génération de féministes que nous sommes en Haïti, c'est Magali Marcelin. Magali Marcelin, tout le monde connaît la figure emblématique pour la lutte pour les droits des femmes et la condition de meilleures conditions féminines en Haïti. Tout le monde connaît celle qui a fondé l'organisation CAIF Femmes avec d'autres féministes comme Danielle Magloire qui vit encore en Haïti. D'autres, beaucoup connaissent aussi dans le Sud-Est l'entrepreneur agricultrice qu'elle a été puisqu'elle avait une habitation là-bas où elle avait ses affaires, où elle avait monté une entreprise d'agriculture. Mais très peu connaissent Magali Marcelin, la conteuse, la danseuse, l'actrice, la comédienne. Certains s'en rappellent quand ils voient les films comme... Quand on parle de Sainte-Anise, on se rappelle le film de Rasoul Labichin où elle a joué le rôle de Anita. Là encore, c'était vraiment le premier acte phare de Magali Marcelin quand elle a joué le rôle de la fille choyée de la dame de maison qui regardait comment la dame de maison justement méprisait une orpheline qui était à son service. Et le phénomène de rester avec en Haïti, c'était quelque chose aussi que Magali avait à cœur, qu'elle se battait contre. Ensuite, on a vu Magali Haïti dans tous nos rêves, parce qu'on en parlera aussi au dernier slide. Magali, comme beaucoup d'autres, quand la lutte pour les droits des femmes, la lutte pour de meilleures conditions féminines s'est engagée, très tôt, Magali aussi a pris la parole et a élevé la voix contre les violations des droits civiques sous le régime duvalieriste et contre les droits politiques également, parce qu'à ce moment-là, c'était une violation sévère contre la liberté d'expression. Donc, l'un des rôles que Magali Marcelin a joué comme actrice, c'est le rôle de Madou dans le film « Craser l'enfer » de Raphaël Steins, où justement, le rôle de Magali Marcelin, c'était celle qui organisait les réunions politiques contre le régime duvalieriste. Donc déjà, à ce moment-là, on sentait tout comment le personnage, le rôle qu'elle a joué, elle y mettait encore d'elle-même pour justement embrasser cette lutte qu'elle avait dans sa vie, dans sa vraie vie. Next slide, s'il vous plaît. Et ce personnage aussi que j'ai choisi pour présenter dans cette présentation, c'est Farah Juste. Farah Juste, elle est particulière parce que Farah Juste vit encore. Et Farah Juste, c'est une figure aussi emblématique, mais vraiment artiste, activiste, parce que toute la production artistique de Farah Juste
est dirigée essentiellement pour dénoncer toutes les violations des droits civiques et politiques sous le régime duvaliériste et aussi pour appeler à une liberté d'expression plus ouverte, pour dire ce qui n'allait pas. Ses œuvres ciblaient essentiellement le régime duvaliériste, comme je l'ai dit tantôt. Plus tard, elle a embrassé la cause des droits des immigrants, parce qu'on verra ça tout à l'heure, le point commun de ces femmes, c'est l'exil. Elle a embrassé la cause des droits des immigrants, les défendant contre le service d'immigration, particulièrement aux États-Unis, où elle avait justement, où elle était, elle était partie, pour dénoncer comment le système était particulièrement raciste envers les Noirs, mais particulièrement aussi envers les Haïtiens. Elle est devenue la voix officieuse de cette communauté et a souvent été ciblée, citée dans le Miami Herald, CNN et d'autres médias, comme celle justement qui défendait ses droits. Farah Jus, elle a une chanson que beaucoup d'Haïtiens connaissent. Moi, enfant, dès qu'on écoutait cette chanson à la radio, on savait que c'est parce qu'il y avait des difficultés dans les rues et qu'il fallait absolument rester à la maison parce que justement, il y avait des manifs. En 1986, Farah Jus a publié la chanson Alléluia pour Haïti. C'était une chanson d'espoir, encore aujourd'hui que nous utilisons, quand ça ne va pas en Haïti, pour parler de notre espoir. Cette chanson a été publiée de son album Farah. Et Farah Jus, des 14 albums enregistrés, ce sont essentiellement des musiques politiques et qui dénoncent les conditions de vie de la masse populaire. On a aussi, elle est membre aussi de l'association Soleil Levé, Rising Sun. C'est une association culturelle pour la musique et la danse folklorique parce qu'il faut aussi comprendre que de toutes ces artistes que j'ai choisi de présenter, c'est des artistes qui ont priorisé les chansons, le folklore haïtien parce que aussi dans la lutte, il y a ce qu'on appelle le mépris de la culture, de la masse populaire, donc, dont justement le folklore est la base. Ensuite, on a, pour saluer le travail de Farah Jus, on a eu un mural à Miami City, aux États-Unis, où on présente Farah Jus avec le drapeau haïtien derrière. Aujourd'hui encore, Farah Jus est en train de militer pour de meilleures conditions pour les migrants haïtiens en Floride et pour les migrants en général. Pourquoi parler d'activisme aujourd'hui? Parce que nous, Haïtiens, dans la tradition orale, next slide, s'il vous plaît, dans la tradition orale, dans nos chansons, dans nos contes, on retrouve toute l'histoire de notre pays, mais particulièrement l'histoire de nos luttes, de nos combats. Et c'est essentiellement à travers notre art que nous transmettons nos luttes et nous racontons aux générations futures. Ce qui est commun à tous ces artistes, particulièrement ces artistes femmes que j'ai choisi de présenter, c'est que même si la société haïtienne les admirait, les respectait, les a embrassés à un moment donné pour le travail, pour le combat, pour la lutte qu'elles ont embrassée, c'est que quand c'est une société qui est devenue passive quand elles ont dû faire face elles-mêmes au retour que les gouvernements d'alors, le retour de violence, que la violence a été verbale, que la violence a été physique, que la violence a été la persécution. La société est restée passive. Comme quoi la société les respectait au moment où elles ont embrassé la lutte, comme quoi la société les a admirées, les a soutenues, a emboîté la marche pour dénoncer les abus, les violations. Mais quand il a fallu que la société réponde, même si la société a entamé la marche pour justement se battre pour qu'il y ait de meilleures conditions de vie, pour renverser le régime, on va citer le régime de duvaliériste, qui est le plus près que nous avions avant ce régime que nous avons maintenant, le régime de PHTK, ou la période d'après duvaliériste avec la période de Jean-Bertrand Aristide.
quand nous regardons le retour que la société a envers ces femmes, c'est la passivité. De toutes les exemples que j'ai choisis, toutes ces femmes, à un moment de leur vie, ont dû s'exiler parce qu'elles ne pouvaient plus continuer la lutte sur le terrain. Mais attention, bien qu'elles aient dû quitter le pays et qu'elles ont continué à se battre, ce qu'on a noté comme point commun, c'est que ces femmes n'ont pas pu rester au pays. Magali Marcelin est la seule qui soit revenue vivre au pays malgré qu'elle a dû s'exiler à un moment donné. C'est voir comment la société, si elle met ces femmes sur un piédestal à un moment donné, mais à un autre, elle les regarde comme des étrangères. Et pourquoi l'activisme est important, c'est que pour des générations futures, et même quand ces femmes ont dû quitter le pays, elles en ont inspiré bien d'autres. Elles ont inspiré des générations de féministes comme nous, et elles ont inspiré par leur art, parce que ce sont des formes d'art que nous utilisons encore pour faire du plaidoyer et de la sensibilisation de la société haïtienne. Et moi particulièrement, dans le cadre du travail que nous faisons, nous utilisons leur art pour former d'autres générations de féministes qui arrivent plus tard. Et aujourd'hui, quand nous regardons la situation, comme je l'ai dit tantôt, incertaine que nous avons en Haïti, et quand nous regardons la lutte que beaucoup de femmes, d'artistes ont embrassée, je vais citer comme Pascal Faublas, je vais citer comme Gaëlle Bien-Aimé que nous aurons tantôt, je vais citer comme Néhémie, je vais citer comme d'autres jeunes femmes ont eu cette base pour embrasser la lutte contre les violations, pour embrasser la lutte pour les droits civiques et politiques, parce que ce que nous vivons avec le régime PHTK actuellement n'est pas différent. C'est un régime qui est basé essentiellement sur la violation de la liberté d'expression, sur la violation des droits civiques, sur la violation des droits politiques, avec les persécutions et les violences verbales qu'ils sont en train de perpétuer contre les personnes qui osent élever la voix contre eux, et essentiellement contre beaucoup de femmes. Merci. Et je crois que l'organisation Neges Mahon, dans le travail qu'elle a choisi de faire aussi, c'est que l'activisme n'est pas une histoire de femmes, mais une histoire d'artistes qui utilisent leur art comme moyen de plaidoyer, comme moyen de sensibilisation pour envoyer des messages non seulement aux générations que nous avons en Haïti, à la société, mais surtout partout dans le monde. Je vais laisser cette partie vraiment à Pascal Solage pour parler de la politique du choix que l'organisation a fait dès le départ. Merci beaucoup. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir. Et à toi. Bonsoir tout le monde. Vas-y Gaëlle. Ok. Alors, mon intervention va non seulement parler de mon processus de travail, mais aussi ouvrir une fenêtre sur le rêve de Neges Mahon, qui est non seulement de militer à travers l'art, mais aussi qui est énormément d'artistes qui font de l'activisme, et ça, ce n'est pas évident. Et je n'aime pas parler de processus, parce que je ne réfléchis pas à mon processus. C'est-à-dire que j'ai envie de créer quelque chose, je le crée. Et avec Neges Mahon, j'ai été obligée de articuler le propos autour de mon travail.
Donc, mes œuvres qui sont désormais un outil de travail pour l'organisation féministe Negues Mahon est aujourd'hui mon âme. Et c'est une manière pour moi d'affirmer mon humanité, de revendiquer ma place à travers une expression artistique. Et ce n'est pas une bataille facile en Haïti. Pourquoi? Parce que non seulement il faut, en tant que femme, il faut avoir le refus du patriarcat, donc le refus viscéral des injonctions patriarcales, et aussi la force de se battre. C'est pour ça qu'il n'y a pas énormément d'artistes qui font de l'artivisme en Haïti. Donc, il y a peu d'artistes à pouvoir assumer ce combat. Et puis, il y a une absence de conviction politique et une éducation politique aussi. Pour terminer mon introduction rapidement, il y a ce problème aussi de quand tu fais de la politique en tant qu'artiste, tu as tes limites. Tu ne trouves pas de subvention. Quand tu es une artiste qui fait de la politique, c'est comme de l'eau chaude dans une bassine, tu ne sais pas comment le tenir. Les gens littéralement ne veulent pas toi, ne financent pas ce que tu fais, tu es un petit peu isolé. Et du coup, les artistes ne vont pas s'engager dans quelque chose qui va les isoler. Donc voilà, c'est en gros ça. Et alors, au début de mon travail, il y avait ce que j'appelais de la spontanéité. C'est-à-dire que j'étais préoccupée par quelque chose, j'écrivais, et c'est ce qui s'est passé avec le genre et le nombre. Et donc, avec le genre et le nombre, en 2011, à ma sortie du conservatoire, c'était une critique naïve des rapports de genre, des injonctions, des préjugés. Et j'ai su dans les articles plus tard que j'étais féministe. Je ne me disais pas en écrivant ce texte que j'avais un discours féministe. En 2015, par contre, d'autres préoccupations m'ont poussée à mettre en scène trois amis qui s'apprêtent à sortir pour aller faire la fête. Et ce dispositif est un prétexte pour que les personnages abordent des sujets importants. Et donc, c'est un voyage. Ce texte est un voyage fluide entre le rire, le silence, le souvenir de la violence et le choix d'avorter, le désir ou le non-désir de maternité. Et j'ai intitulé ce texte Talon aiguille, donc on est en 2015, j'ai intitulé ce texte Talon aiguille, Talon d'Achille. Et j'ai pris le symbole des chaussures qui renvoie à une certaine féminité et de l'inconfort parce qu'on ne peut pas courir avec les talons. Donc en 2015, j'étais sur la création de ce spectacle avec des filles qui sortaient et tout. Et c'est vrai que dans ce dispositif, ça paraît banal, trois filles qui sortent, mais la réalité est que la rue ne nous appartient pas. L'espace public ne nous appartient pas. Et là, j'ai pris une position frontale dans la pièce pour dire ces femmes vont investir la nuit et la rue et elles sont heureuses. Je n'étais pas consciente en 2015 que j'étais dans un processus. Donc, tout ça pour vous dire que mon processus, ce que je fais pour trouver la force de mon geste, je l'ai fait en tâtonnant et aujourd'hui, je peux en parler. J'ai fait un groupe de travail. Alors, j'ai fait un groupe de parole au hasard. C'était la fin de la répétition et on était en train de parler et tout. Et puis, voilà qu'on réalise que moi, metteur en scène, l'assistante à la mise en scène, les trois comédiennes, que nous étions toutes des victimes, toutes des survivantes. Et à cet instant, la création a comme... Il y a un déclic dans la création. Et du coup, j'ai noté à partir de cette expérience en 2015 que ce type de projet devait impacter la vie de l'artiste. Donc, le projet, quand tu es une artiviste et que tu travailles sur une création, la création est censée acter impacter la vie de l'artiste en faisant un travail pédagogique, en installant de la confiance, faire preuve de solidarité, de sororité, et aussi que l'œuvre ait une force thérapeutique pour l'artiste. C'est important pour moi de prendre Talon aiguille, Talon d'Achille en 2015 pour parler, pour mon intervention, parce que cette création coïncide avec la naissance de Negues Mahon. C'est d'ailleurs pour moi l'œuvre qui illustre cette prise de conscience du propos et ce besoin d'articuler un contre-discours. Ça veut dire que quand tu fais de l'artivisme, tu dois être conscient que tu articules un contre-discours parce que c'est bien stylé d'avoir hashtag je suis féministe sur Internet, mais il y a un vrai travail
à faire. Et la construction du discours considère les faits, donc politique publique, violence systémique, injustice et inégalité. La construction du discours considère les pensées féministes qui s'alignent à nos convictions, c'est-à-dire enquête, recherche, analyse sociologique et plaidoyer. Et puis l'esthétique ou la forme du message, moi, c'est le théâtre. Et puis une pédagogie. Donc comment tu passes ça? Comment après ce projet, les artistes en sortent renouvelés? Ce n'est pas évident. Donc, pour finir, l'art est notre outil de travail à Negues. Et avec cet outil, nous venons défier la bien-pensance qui garde tous les tabous bien au chaud. À travers l'art, nous injectons notre point de vue de Negues Mahon, c'est-à-dire de négresse qui donne la liberté. Notre discours reflète notre identité, notre vision du monde à notre époque et de notre réalité, notre contexte sociopolitique, qui est très particulière, pour ne pas dire extrêmement compliquée. Donc, voilà. Est-ce qu'une approche créative changera les mentalités en Haïti? On le saura plus tard, mais la première édition du Festival féministe de Negues Mahon en 2016 a remué la ville, a agité les réseaux sociaux et a enflammé les débats autour de sujets qu'on voulait oublier. L'un des sujets les plus controversés de notre temps moderne, le féminisme. Voilà. Donc, je passe la parole à Pascal. Et alors, j'ai parlé de deux œuvres, j'ai parlé de et le genre et le nom. Donc, c'était en sortant du conservatoire. Et Talon Aiguille, qui est l'œuvre qui accompagne mon processus de création à l'intérieur d'une organisation féministe dans laquelle je milite depuis 5 ans. Merci. Merci beaucoup, Gaëlle, et bonsoir tout le monde. Et je voudrais dire, comme Suzanne l'a dit, mais je voudrais le répéter, à quel point c'est un honneur et un plaisir pour Negues Mahon de participer à ce festival et surtout de parler de son travail. Et comme on a parlé un petit peu, on a fait un historique de certaines artistes féministes. Suzanne l'a fait, Gaëlle a un peu parlé de son travail comme directrice artistique de Negues Mahon, comme membre de Negues Mahon, mais aussi comme artiste elle-même. Moi, je vais faire une présentation un petit peu de l'organisation et du choix politique et stratégique de l'organisation de choisir d'autres stratégies de faire de l'artivisme. Alors, Negues Mahon est une organisation qu'on a fondée en 2015 et vous pouvez le lire dans les slides qui lutte contre les conséquences de l'organisation patriarcale de la société sur les femmes. On vise la libération de toutes les formes de violence et d'oppression que subissent les femmes. Donc, on s'implique dans la promotion, la défense, le renforcement des droits des femmes sur divers plans, social, culturel, économique et politique. Et c'est une lutte pour Negues Mahon qui s'inscrit dans une perspective de libération contre tout ce qui est dans un système qui entrave la jouissance pleine et entière des femmes, pas seulement en Haïti, mais partout dans le monde, puisque nous nous considérons comme des citoyennes du monde, mais aussi comme des femmes et des féministes qui sont concernées par les conditions des femmes partout dans le monde. Next slide, please. Alors, on a ce qu'on appelle une ligne politique et ça part dès le départ sur pourquoi on a décidé de nommer cette organisation Negues Mahon. En Haïti, comme symbole de la liberté, parce que comme vous le savez, Haïti est la première république noire, donc l'un des premiers pays à se battre contre l'esclavage, contre la colonisation, on a un symbole de liberté en Haïti qui est le nègre marron. Le nègre marron qui est ce qu'on appelle un symbole de liberté, de révolte, de rébellion, etc., contre le système esclavagiste, contre le système colonial, mais dont on ne connaît pas l'identité. Donc en Haïti, il est considéré comme un symbole. Donc nous, on a choisi de féminiser ce symbole, de féminiser le symbole nègre marron pour deux raisons. La première, c'est pour se battre contre l'invisibilisation de la lutte des femmes contre l'esclavage aussi, puisque les femmes étaient très impliquées dans la lutte contre l'esclavage en Haïti. Donc, pour se battre contre l'invisibilisation des femmes dans la lutte pour la libération pour la création de cette république, mais aussi pour nous raccrocher à cet idéal de liberté, à cet idéal de droit que nos ancêtres avaient déjà dès les années 1800, 1804, 1806, dès les premiers bourgeons de ce désir de liberté. Donc, on a récupéré le symbole marron, qui est un symbole... C'est tout un concept, en fait, d'esclaves qui préfèrent vivre dans des conditions plutôt que de rester sur les plantations. Donc, on a récupéré le symbole de nègre marron et on a décidé de le féminiser. Et aujourd'hui,
on a toute cette idéologie de cette organisation qui se base justement sur ce désir de rébellion, de liberté, de révolte et de révolution des femmes de notre génération, de notre organisation contre le système patriarcal. Next slide, please. Alors, pourquoi on a décidé, en tant qu'organisation fondée en 2015, de faire le choix de l'activisme? C'est vrai qu'on fait d'autres travaux, qu'on a d'autres stratégies de plaidoyer, de travail, de service direct, de politique, etc. Mais pourquoi on a décidé de faire le choix de l'activisme? Pour commencer, nous sommes beaucoup d'artistes et de journalistes, comme vous l'avez vu. Suzanne est journaliste, je suis journaliste, Gaëlle est artiste et journaliste, et nous avons aussi d'autres membres de l'organisation qui sont dans le monde artistique, dans le monde des médias, etc. Donc, c'était déjà dans notre champ d'expertise, dans notre champ de travail, notre champ de création, et donc, on voulait continuer à faire ce que nous faisons à travers notre militance, créer une voix à partir de ce que nous faisions au jour le jour. Donc, nous avons choisi de continuer dans cette voie, mais aussi parce qu'on se disait comment créer une organisation qui puisse atteindre les jeunes et qui puisse vraiment développer des stratégies qui s'alignent sur les réalités haïtiennes. Quelques éléments qui étaient importants, c'est qu'en Haïti, on a 22,7% de la population entre 15 et 24 ans et plus de la moitié de la population qui a moins de 21 ans. Donc, c'est une population très jeune. C'est une population de 11 millions d'habitants. Nous avons 52% de femmes. Nous avons un taux de chômage extrêmement élevé. Donc, nous vivons dans une société où la population est au quotidien dans cette recherche de survie et qui fait que la plupart du temps, elle n'est pas intéressée dans cette lutte continue et longue sur les droits, mais plutôt dans cette lutte pour survivre au jour le jour. Un taux d'alphabétisation moins élevé que dans les autres pays de la Caraïbe. Vous allez voir les chiffres dans les slides. Et nous avons un État quasi inexistant. Ça veut dire que c'est vraiment gentil de dire que c'est un État qui ne répond pas à nos besoins, mais c'est un État quasi inexistant. Vous connaissez peut-être la situation que nous vivons en Haïti aujourd'hui avec un président qui a été assassiné. Nous sommes des pétro-challengers, les trois membres de l'organisation Neges Mahon. Ça veut dire que nous sommes des activistes anticorruption. Nous sommes dans les rues depuis 3 ans pour demander la lumière sur la gestion des fonds pétro-caribé, sur la gestion des fonds publics en Haïti. Ça veut dire que nous sommes 3 ans dans cette lutte en Haïti pour qu'on puisse justement nous dire ce qu'on fait de notre argent. Et nous sommes aussi des activistes pour les droits de manière générale. Donc, on met la pression sur l'État. Nous sommes des activistes politiques. Et c'est pour dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation extrêmement compliquée. Et pour revenir à ce que Suzanne disait aujourd'hui, nous sommes toutes les trois aujourd'hui hors de notre pays parce que nous vivons des situations liées à notre sécurité qui sont extrêmement graves. Et nous avons décidé justement de nous mettre en sécurité. Nous avons sorti une note il y a quelques jours. Et puis, pourquoi aussi, c'est que l'un des moyens de communication les plus répandus en Haïti, c'est la radio. Donc, on a mis les chiffres. La radio est un des médias les plus consommés en Haïti et qui est accessible à un faible coût. Donc, comment utiliser ce média? Comment utiliser quelque chose qui rassemble les Haïtiens, donc la culture, l'art, musique, théâtre, cinéma, et pour justement porter notre plaidoyer et pouvoir atteindre le plus de personnes possible? Next slide, s'il vous plaît. Donc, à partir de ces éléments et de beaucoup d'autres, nous avons choisi, nous sommes toujours très jeunes, de faire le choix d'une stratégie qui puisse atteindre notre premier public cible, mais qui puisse aussi parler à la majorité de la population et qui puisse aussi nous donner une variété de formes d'expression, de création et qui puisse nous permettre justement d'agencer tout ce que nous voulons dire, tout ce que nous voulons faire et tout ce que nous voulons dénoncer au sein de la société. Donc, c'était le choix d'une jeune organisation féministe politique, nous le revendiquons, revendicatrice, avec un contexte extrêmement difficile et avec des institutions qui ne font pas leur travail. On va, next slide, please. Alors, à partir de là, j'ai choisi de présenter quelques travaux, on va le faire très vite. Et on a créé un festival féministe en 2015, le festival féministe Neges Mahon, que nous n'avons pas pu réaliser depuis 3 ans en Haïti à cause de la crise sociopolitique. Nous sommes dans la création d'œuvres artistiques, Gaëlle vient de parler de 2 œuvres, et de création de contenu artistique aussi. Nous utilisons beaucoup les nouvelles technologies et les médias sociaux. Nous créons des espaces d'expression artistique, c'est-à-dire que même si les gens ne créent pas, même si ce ne sont pas des artistes, nous créons des espaces où les gens peuvent réfléchir, créer ensemble. Nous utilisons, comme j'ai dit tout à l'heure, les nouvelles technologies.
création de réseaux nationaux et internationaux de créatrices et de créateurs. Nous sommes beaucoup dans la recherche et dans le soutien de la création. Par exemple, je prends l'exemple de l'école de théâtre de Gaël, ACT, où il y a un travail méthodologique, un travail méthodique qui se fait pour non seulement former des artistes, mais aussi former des artistes avec une idéologie de droit, une vision de droits humains, de droits des femmes et de droits de manière globale. Nous faisons aussi plusieurs sortes d'initiatives qui puissent le supporter. Next slide, please. Voilà, donc on va présenter quelques... alors, ça, c'est la pièce Rêve boucanais. En français, on va dire Rêve calciné. Et cette pièce a été créée par l'une des membres de Neges Mahon, qui est comédienne et dramaturge, qui est Joanne Joseph, et qui parle de la condition des femmes dans les marchés publics. Et là, la pièce est en train d'être jouée pendant la soirée dans un marché public. Ils sont là, les artistes sont là dans un marché public et la pièce a été présentée lors de festival féministe de Neges Mahon. Donc, c'est une pièce qui s'adresse sur la condition des femmes qui sont dans le secteur commercial informel, qui n'ont pas d'assurance, qui sont toujours victimes des sandis de marché et qui n'arrivent jamais à joindre les deux bouts et qui n'ont aucune protection sociale en Haïti. Donc, cette pièce s'adresse justement à la condition de ces femmes et a été un vrai succès. Elle a été projetée sur les réseaux sociaux et a été vue par plus de 1 million de personnes. Next slide, please. Nous avons là le premier festival féministe Neges Mahon où nous avons eu des jeunes femmes qui dénonçaient les violences que les femmes subissent avec des pancartes. Et l'une des phrases phares de Magali Marcelin que Suzanne a présentée et, lors de sa présentation, qui était une féministe vraiment engagée et qui est décédée le 12 janvier lors du tremblement de terre, nous saluons sa mémoire, qui est Zozo Pazam. C'est pour dire en français, le pénis n'est pas une arme. Donc, ça a fait beaucoup parler parce que nous avons utilisé des propos sexistes que nous subissons tous les jours dans la rue. Nous les avons mis sur des pancartes et les jeunes femmes étaient installées dans la rue pour les dénoncer. Ça, c'était lors du premier festival féministe en 2016. Next slide, please. Et là, voilà, c'est une jeune femme qui est assise et qui dit voilà, que voilà, son intimité, son vagin, c'est son espace privé. Et voilà, elle était installée dans la rue comme ça lors d'une marche artistique, lors du festival féministe. Il faut dire qu'elle a reçu beaucoup, beaucoup de menaces. Elle a été agressée lors de cette marche artistique, mais c'était pour dire voilà, que notre corps, que notre intimité, c'était notre espace privé et qu'on en faisait ce qu'on voulait. Next slide, please. Et là, voilà, c'est une marche artistique où on adresse la question du mariage, de la pression de la société sur les femmes pour le mariage et ce que le mariage représente dans notre contexte social. Donc voilà, ça a été une marche artistique lors d'un festival féministe. Next slide, please. Et là, c'est une création de Gaël Bien-Aimé qui s'appelle Lumière, qui est extrêmement importante pour moi de vous parler. En fait, c'est un artiste engagé en Haïti qui s'appelait Mano Charlemagne, qui est mort malheureusement, un artiste militant engagé et qui s'appelle Lumière. Et le choix que Gaël a fait de faire cette présentation, c'est de réunir plusieurs chansons de Mano Charlemagne qui dénonçaient la dictature, qui dénonçaient la violence, qui dénonçaient la violation des droits humains, et de mettre des jeunes femmes sur scène pour interpréter ces chansons. C'est une pièce importante à plusieurs niveaux. Pour commencer, c'est des œuvres d'un homme, artiste militant, porté uniquement par des femmes. La deuxième chose, c'est que c'est peut-être l'une des pièces les plus politiques de Neges Mahon, puisque nous sommes dans un contexte aujourd'hui en Haïti avec le régime PHTK où nous vivons pratiquement les mêmes situations que sur l'époque de la dictature. Je le disais tout à l'heure, nous sommes toutes les trois hors de notre pays par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui comme pression, par rapport à ce que nous faisons dans notre travail comme activistes. Et la troisième chose qui est importante dans ce travail, c'est que ça permet d'aligner les deux situations des anciennes féministes dont nous sommes héritières et de nous aujourd'hui. Comme Suzanne l'avait dit, la plupart de ces féministes ont dû être exilées, ont été emprisonnées, certaines ont été assassinées et certaines ont disparu. Et aujourd'hui, c'est ce que les féministes politiques vivent en Haïti et nous sommes obligés de déployer vraiment des moyens pour notre sécurité tout en continuant à faire notre travail. Donc, ce travail est extrêmement important parce que c'était des chansons qui dénonçaient ce que les gens vivaient sous la dictature et nous sommes en train de dénoncer exactement les mêmes choses aujourd'hui. C'est un superbe travail et je fais vraiment un shout-out à Gaël encore une fois. Next slide, please. Et voilà, là, c'est important aussi de parler de ce travail « Il fallait venir un soir ». « Il fallait venir un soir », c'est un texte qui a été écrit par un écrivain qui s'appelle Billy Mondésir, qui dénonce le système patriarcal sur les hommes. Ce que le système patriarcal
imposent aux hommes dans leur sexualité, dans leur façon d'être, dans leur façon de devoir être, est porté par un comédien. Et c'est Gaël aussi qui a fait ce spectacle. C'était pour dire aussi que, comme disait Suzanne au début, que notre travail est porté par des artistes dans sa globalité sur le système patriarcal. C'était un superbe travail, une écriture d'un homme, portée par un artiste homme et mise en scène par Gaëlle Bien-Aimée, qui est une artiste femme, dans une perspective féministe et militante. Next slide, please. Voilà. Festival féministe encore, nous avons mis des hommes dans la rue, c'était des danseurs, c'était encore pour dénoncer ce que le système patriarcal, en fait, ce qu'on appelle la masculinité toxique. Donc, c'était vraiment d'utiliser des artistes hommes, des danseurs, pour dénoncer ce que le système patriarcal imposait et aux hommes et qui, d'une certaine manière, revenait en conséquence sur les femmes. Parce que comme les hommes n'arrivent pas justement à vivre leur sensibilité, à vivre leur sexualité, à vivre tout ce qu'ils sont comme êtres humains dans leur globalité, la plupart du temps, c'est les femmes qui en paient les conséquences. Donc là, c'était encore pendant une marche artistique lors du festival féministe. Next slide, please. I think it's the last. Oh. Voilà. Et là, ce sont des artistes femmes qui chantent dans les rues parce que la marche artistique du festival, c'est toujours vraiment une manifestation qui sort d'un lieu pour arriver à un autre lieu avec des stations, avec des artistes, avec des performances. Parfois, des cinquantaines d'artistes dans les rues sur un long parcours, donc une marche qui dure à peu près 2 heures avec des dizaines ou bien des quinzaines et de prestations. Donc voilà, je sais qu'il y a plein d'autres slides qu'on pourra montrer peut-être lors du Q&A, parce que là, on est hors du temps. Donc, je pourrais présenter peut-être d'autres travaux, mais c'était un petit peu certains travaux qui ont été faits dans cette perspective de stratégie d'utilisation de l'art dans notre travail en tant qu'organisation féministe. Je pourrais présenter les autres lors du Q&A. Merci beaucoup. Thank you so much, Pascal, but also thank you, Susan and Gaël. I feel like I've learned so much in this session from the ways in which the history of artivism in Haiti and learning specifically about who those women are and in the tradition of saying her name, but also learning about your process, Gaël, and the ways in which you've created in Haiti in the context of social justice, but then also, Pascal, thank you so much for running through with us the ways in which Neges Mouan has created interventions that really make a critical change in the Haitian landscape. So thank you all. This has been really amazing. Short of time, we have about 7 minutes for Q&A, but I see in the chat that we have 2 questions. The first one is, can you speak to some of the challenges and opportunities you experience as feminist artists living now in the diaspora? The second question is, can you share with us how can we all support you and Neges Mouan? And then the third is, what's the reaction of the public to the public demonstrations of artivism that you showed us, Pascal? So I'll hand over to all of you. Who wants to go first to try to address some of these questions? And just as a reminder, please do speak slowly for the interpreters so that they can keep up. Gaël, tu peux répondre à la première question? Ben, on ne vit pas dans la diaspora. Hein? Est-ce qu'on peut reprendre la première question? Pascal, je n'ai pas saisi la première question. Tu peux le voir dans le chat, en fait. Tu peux ouvrir le chat, c'est « Can you speak to some of the challenges? » Est-ce qu'on peut leur parler des défis et des opportunités que nous sommes en train d'expérimenter comme féministes, artistes qui vivent dans la diaspora? Pour les défis, oui, c'est ça. Mais on ne vit pas de la diaspora, il faut juste le plaisir. Ouais. Que nous font-y sauver pour un moment. Oui. Les défis? Yeah, d'artistes vivant dans la diaspora, d'artistes, activistes vivant dans la diaspora. Mais il faut dire qu'on ne vit pas de la diaspora, mais tu peux quand même parler des défis et des opportunités. Ah, OK. Bon, j'ai un petit peu parlé des défis au tout début en disant que il y a deux soucis. Alors, il y a plusieurs soucis. Je reviens sur mon slide.
je ne sais pas, on peut remettre le slide si vous voulez. Il y a deux choses. Il y a que les artistes ne peuvent pas assumer un combat politique en Haïti parce qu'il y a cette éducation. Je ne sais pas si c'est à cause de la dictature, mais les gens qui sont nés après 1986, donc moi je suis née en 87, nous avions eu des parents, comment vous dire, on n'a pas eu une éducation politique, on n'a pas eu ce sentiment d'appartenance à l'espace politique, c'est-à-dire qu'on peut, franchement, moi je suis arrivée, je posais des questions politiques dans mes spectacles avant, mais j'ai commencé vraiment à faire de la politique en 2018 parce que je demandais des comptes sur les fonds publics et parce que j'en avais ras-le-bol, quoi. J'avais à peine 30 ans, je ne voyais pas l'avenir et je me dis, c'est pas possible que le pays continue comme ça. Donc, j'ai commencé à me battre et vraiment. Donc, les artistes n'ont pas une éducation politique, n'ont pas... Ne rentrent pas dans la politique et ils ne peuvent pas assumer le combat parce que... Je m'excuse, Gaëlle, deux secondes. C'est juste qu'on dirait qu'il n'y a plus d'interprétation en anglais. Donc, je demande juste vite fait à Heather. Heather, could you help? There seems no longer to be interpretation into English. Could we make sure that that's happening? Yes, we are checking on that right now. Thank you so much, Heather. OK. Peut-être essaye de continuer, Gaëlle, comme ça. Oui. Et puis aussi, en Haïti, les artistes ont peur de se retrouver dans un débat controversé. Il y a ce truc où il faut être l'artiste de tout le monde. Il faut... Tout le monde t'aime, tu aimes tout le monde. Ils ne veulent fâcher personne. Et il y a des gens qui ne vont jamais m'inviter à jouer dans leur activité. Il y a des gens qui aiment bien ce que je fais, mais l'entreprise qu'ils représentent ne va jamais me donner un contrat de publicité, de vendre leurs produits. Je ne peux rien vendre en Haïti. Donc, les entreprises qui la plupart, enfin, les entreprises qui ont beaucoup plus de moyens, ils ont des intérêts qui font que, même s'ils aiment la comédienne, mais ils ne peuvent pas me mettre dans leur truc. Par contre, ils peuvent se déplacer personnellement pour aller voir un spectacle. Ils peuvent bien aimer le spectacle. Mais ils ne vont pas... Enfin, voilà. Donc, le gros problème, c'est que les artistes ont peur d'aller vers là parce que quand tu vas vers là, tu es isolé. Je ne vis pas dans la diaspora, en tout cas, pas encore. Je suis dehors pour un petit moment. Oui, parce qu'on ne doit jamais, là, en ce moment, en Haïti, on ne doit jamais dire jamais. Et je ne sais pas comment ça se passe. Probablement, ça peut être différent de militer dans la diaspora, dans la mesure où on n'a pas directement les mêmes contraintes. C'est-à-dire que, par exemple, si tu vis au Canada, moi, si je faisais la militance au Canada, ça aurait été quelque chose de, je ne dirais pas léger, mais... Déjà, j'allais avoir l'impression, bon, ça, j'allais vraiment très loin de ma communauté, mais il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Pour vrai, je ne sais pas, mais que tu es au Canada ou bien aux États-Unis et que tu fais de la militance à travers l'art et que tu peux sortir, tu finis ta vidéo, tu finis ton sketch et puis tu peux sortir à 11h pour aller prendre une bière, c'est pas comme moi. C'est pas comme moi, je reste chez moi, je limite mes mouvements, j'ai peur des gens. Voilà. Si tu permets, Gaëlle, je voudrais rajouter par rapport à la question où les gens parlent des défis. Gaëlle a mis en face vraiment les défis que les artistes devraient avoir, les artistes qui vivent dans la diaspora, comme on a précisé tout à l'heure, comme on n'y était pas. Moi, de mon regard, de ce que j'ai vu jusqu'ici, les défis seraient qu'ils ne sont pas directement sur le terrain et donc ils n'ont peut-être pas de contact direct avec le public haïtien. Mais ce défi aussi, c'est une énorme opportunité. Pourquoi? Parce que
aujourd'hui, quand on regarde le discours qu'ont les politiciens haïtiens, particulièrement de que ce soit le régime PHTK ou l'opposition en face, quand ils parlent essentiellement de la diaspora, ça veut dire que la diaspora a une importance pour eux. Je crois que l'opportunité dans tout ça serait vraiment que les artistes qui sont dans la diaspora prennent le temps d'écouter ce que disent la population. Les artistes qui sont dans la diaspora ont des familles. C'est peut-être pas de la famille proche, mais quand même, ils ont des membres de leur famille qui sont encore en Haïti. C'est de prendre le temps d'écouter. D'écouter, et quand les politiciens arrivent dans la diaspora, et de porter ce discours. Oui. Parce que, vu l'importance que ces politiciens donnent à la diaspora, tout comme nous, jeunes féministes, nous sommes en train de mettre notre poids dans la balance quand ils parlent des femmes, de leur dire, écoutez, si vous avez un discours de femme, il faut regarder la condition féminine, il faut regarder le respect de nos droits comme femmes. Oui. Que la diaspora puisse jouir de cette opportunité-là et de saisir à bras le corps, surtout les artistes qu'on parle, ils sont très peu à porter un discours politique. Très, très peu. C'est de dire que nous, on a cette possibilité, mais c'est de porter le discours de vous êtes d'Agonaïve, vous êtes du Grand Sud, vous êtes de Jérémy, porter la voix de ces... Justement, ces gens, ils sont victimes, ils viennent d'avoir un séisme, et encore, on est là à savoir comment l'aide va arriver. Mais c'est de pouvoir porter ce discours aux politiciens qui vous donnent l'opportunité de leur parler, d'avoir cette voix, mais non seulement cette voix, mais la possibilité de pouvoir changer quelque chose. Super. Alors, je voulais répondre à la question sur quelle est la réaction quand on... Attends, je suis en train de demander, what is the reaction of the public to the public demonstration of activism? Comme je l'ai dit, lors de notre premier festival, la plupart des jeunes femmes qui étaient dans la marche artistique, qui avaient des pancartes, avaient été agressées et insultées dans la rue. Et donc, la première marche artistique, le premier festival artistique, vraiment, ça a été difficile. La pièce Rêve Boucanet que j'ai montré, qu'on a fait dans un marché public dans la soirée, c'était aussi, niveau sécurité, c'était très difficile. Parce qu'en fait, comme Gaëlle l'a dit, les gens n'aiment pas trop quand on parle de sujets controversés, de sujets qui dérangent, de sujets qui ne vont pas dans le sens du poil. Et nous, justement, ce qu'on dit, c'est que non seulement on est une organisation féministe, mais on est une organisation féministe politique, mais aussi tout ce que nous faisons est supposé déranger les gens dans leur confort par rapport à la condition des femmes en Haïti, mais par rapport à la condition humaine de manière générale. Donc, la plupart du temps, c'est assez... On va dire que ça va dans les deux sens. Les gens adorent le travail parce que c'est un travail qui est magnifique, c'est un travail qui est bien fait, c'est un travail qui est fait avec soin, c'est un travail de recherche et c'est artistique, donc les gens aiment bien. Mais les sujets, ça dérange. Les sujets, ça porte les gens à réfléchir. Et j'ai un slide avec, que vous pourrez peut-être voir après. Allez sur les pages de Negues Mahon, bien sûr, notre site, vous pourrez les voir. Où on avait des policières qui étaient dans la marche artistique avec nous. Parce qu'on parlait justement de l'absence du système judiciaire contre les violences faites aux femmes en Haïti. Donc, c'est toujours des sujets qui dérangent. C'est vrai que les gens aiment bien, c'est très innovant, c'est très nouveau. Les gens aiment ce que nous faisons parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ça. Mais en même temps, c'est dangereux pour nous. La plupart du temps, comme Gaëlle l'a dit, quand on a fini de faire quelque chose ou bien quand on a fini de présenter quelque chose, c'est comment on va rentrer chez nous, tout le monde à l'abri et tout. Donc, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et comme à un moment, notre discours féministe portait aussi un discours foncièrement politique, parce qu'aujourd'hui, dénoncer la corruption, c'est aussi dénoncer l'absence de fonds pour les droits des femmes, c'est dénoncer l'absence de fonds pour le ministère de la condition féminine, c'est dénoncer l'absence de fonds pour le combat contre les violences faites aux femmes, c'est l'absence des fonds pour les services pour les femmes. Donc, automatiquement, nous sommes de la pression sur l'État, nous sommes de la pression sur les puissants en Haïti, ce qui fait que nous sommes dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est extrêmement... C'est vrai que c'est bien accueilli parce que c'est nouveau et c'est innovant. Il n'y a pas de financement aussi, c'est ce qu'il faut dire comme défi. Il n'y a pas d'espace public. Il y a très peu de salles de théâtre, très peu de financement. Les gens sont genre, de quoi on parle et tout. Et voilà, donc c'est difficile, mais voilà, nous sommes là. Pascal, oh, sorry. I was just going to say, Susan, I know we've run out of time, but I just want to at least give us the last question because I think it links very much to what you were just saying, Pascal, around, you know, you are all taking huge risks in doing this work.
And the question is, how can we as a global community of feminists support you all and Neges Mouan specifically? What does that look like? Alors, il faut déjà dire que nous avons un grand support, et parce que si je me prends à ce que nous vivons aujourd'hui, moi personnellement, quand j'ai dû laisser Haïti en catastrophe, j'ai été essentiellement supportée par des féministes et un peu partout dans le monde et par rapport aux conditions. Et il y a une grande diffusion de notre travail au niveau des organisations féministes et par rapport à nos partenaires. Mais comment supporter, c'est vraiment la diffusion de notre travail, c'est super important. Par exemple, présenter notre travail dans des réseaux comme les réseaux David, dans des festivals comme ça. Parce que, comme je l'ai dit, on ne trouve pas de financement en Haïti. En Haïti, il n'y a pas de financement pour ce genre d'organisation, ce genre d'initiative, ou très peu. Je pense qu'il y a la Focal et qu'il y a certaines ambassades qui ont, tu sais, leurs fonds là pour des petits projets femmes et tout. Donc, c'est vraiment pas des choses importantes. C'est juste pour, voilà, donner notre petit support. Donc, c'est extrêmement important de diffuser notre travail parce que l'essentiel de notre financement, nous le trouvons au niveau des bailleurs internationaux qui supportent justement des initiatives et des organisations qui sont dans l'innovation et qui sont dans la militance politique féministe. Et c'est aussi d'être dans ce réseautage extrêmement important pour nous et pour supporter les membres, mais aussi supporter les organisations et supporter aussi financièrement, si possible, parce que nous avons un tas d'initiatives. Par exemple, nous avons le programme Marrainage, qui est l'un de nos programmes phares, qui est le programme de support d'accompagnement des femmes victimes de violences et que nous avons en Haïti, qui est extrêmement difficile parce que nous donnons un accompagnement multidimensionnel, médical, juridique, psychologique, économique, dans un pays où il n'y a pas de système judiciaire, il n'y a presque pas de système médical et tout. Donc, voilà, et où il n'y a pas de sécurité. Donc, quand nous aidons une femme, la plupart du temps, nous sommes en danger par rapport aux diverses personnes qui représentent les menaces. Donc, c'est supporter financièrement si possible, faire la diffusion de notre travail, nous intégrer dans tous les réseaux qui puissent nous aider justement à établir d'autres connexions pour nous permettre de diffuser et de renforcer notre travail, renforcement de capacités et tout. Et puis, comme je l'ai dit, nous avons un grand réseau d'artistes au niveau international. Donc, pour nous, c'est comme ça de supporter. Allez sur notre site, sur nos pages, et vous allez un peu voir ce que nous faisons. Super. Est-ce que vous pouvez partager dans le chat? Oui, je suis en train de l'écrire là maintenant. Super. Well, thank you so much, sisters. It's been such a wonderful conversation. I personally have learned so much, and I'm sure everyone who's been listening has. I'm sorry to the participants for going a little bit over, but you've all stayed, so I have a sense that you too felt that this was a really important conversation, and we're really glad to be here. We all have our marching orders. You all heard how Pascal thought we could support, so let's please do, and join us again for the next sessions of the festival. Thank you, everyone. Merci beaucoup. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye.